salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du lundi 24 octobre, direction Bolly pour le handicap de Marseille. Plat, 2000 mètres, 16 partants en réunion, une course 4, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet du samedi 22 octobre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce dimanche. Je reviendrai dessus demain. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous aidez ainsi grandement la chaîne. Ok, c'est parti, on commence ce pronostic et on commence avec le numéro 1. Qui est donc Bakhchisaraï, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur hein, pour ce numéro 1. L'entraîneur, c'est Fabrice Vermeulen. Bon, alors lui, c'est le roi des carpes, hein, les poissons muets, qu'on parlait hier d'ailleurs. Ouais, bon, c'est rare que vous allez entendre Patrice, Fabrice, pardon, Fabrice Vermeulen nous sortir un commentaire sur un de ses chevaux. D'ailleurs, dans ce quintet, malheureusement, il y a beaucoup de chevaux, beaucoup d'entraîneurs qui veulent rien dire. On a l'entraîneur de l'As, l'entraîneur du numéro 2, du numéro 6, du numéro 10 et du numéro 16. Voilà, donc ça fait un peu beaucoup. Alors, ce numéro 1, Bakhchisaraï, je l'ai gardé en bout de combinaison. Atlas, Darcho, Sabah. On passe au numéro 2, Lingering Dream. Pareil pour ce numéro 2, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. L'entraîneur en question, c'est Xavier Thomas de Moult. Lui aussi, c'est un grand muet. Alors, ce numéro 2, lui aussi, je l'ai gardé en bout de combinaison. Numéro jauge, Darcho, Leine Darcho, fait l'ahar. On passe au numéro 3, Billabong 4, et on écoute Édouard Montfort. Billabong 4 revient au top de forme, montrant lors de ses dernières tentatives qu'il pouvait s'imposer prochainement. J'espère que ce sera pour lundi. Il est maniable et connaît par cœur ce genre de tournoi. De plus, il va dans tous les terrains, on est confiant. Eh bien, ce numéro 3, moi, il me plaît beaucoup, je l'ai gardé très haut, je l'ai mis en deuxième position. Ad numéro 3, Darcho Chani. On passe au numéro 4, Mama Imelda. Et on écoute Madame Manon Scandella Lacaille. Mama Imelda avait besoin de courir en dernier lieu et n'a pas forcément eu un parcours des plus limpides. Elle est montée là-dessus. Là, on joue à domicile. Elle aime bien cette piste. Le petit point d'interrogation concerne les 2000 mètres, mais elle s'est quand même assagie. Elle paraît bien et demeure compétitive. Eh bien, moi, ce numéro 4, c'est mon gros regret, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. Hein. Vraiment, c'est mon gros regret, ce 4, attention. Ad numéro 4, Darcho fel blasa diale non partant, ou l'ouel feum andako. On passe au numéro 5, Électron Libre, et on écoute Christophe Escuder. Électron Libre s'est bien défendu dernièrement, mais n'a pu finir dans la bonne combinaison. Cette fois, je pense que ce quintet est un peu moins relevé. Il a les moyens de finir dans les 5 premiers. Sa forme est toujours d'actualité et une piste très souple serait à son avantage. J'en attends une bonne performance. Ce numéro 5, moi, il me plaît bien, il me plaît même beaucoup. Je l'ai gardé en quatrième position. Ad numéro 5, Darcho Araba. On passe au numéro 6, Ridouane. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur hein, pour ce numéro 6. L'entraîneur, c'est Fabrice Vermeulen. Bon, alors lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, encore lui. C'est aussi l'entraîneur de l'As, hein, Bakhchisaraï. Donc ce numéro, enfin je veux dire ce Fabrice Vermeulen, hein, impossible d'avoir accès à ses commentaires à ce mec. Alors, ce numéro 6. Moi, je ne l'ai pas gardé dans mon pronostic. Voilà, j'ai pas eu le feeling, j'y crois pas trop. Donc je ferai sans. Donc ce numéro 6, je ne l'ai pas gardé. Ad numero Madarchosh. On passe au numéro 7, Royal Robin. Si on écoute Jérôme Régnier. Royal Robin reste sur une très bonne sortie au niveau qui nous intéresse. Depuis, sa bonne condition physique est toujours d'actualité. Voilà pourquoi une confirmation est espérée lundi. L'allongement de la distance ne devrait pas déranger ce concurrent, parfois un peu lent dans sa mise en jambe. Ce numéro 7, c'est tout simplement mon préféré. Je l'ai mis en tête de mon pronostic. Ad numero 7, Walloul Dieli. On passe au numéro 8, Padron, et on écoute Jérôme Régnier. Padron sera beaucoup mieux sur le bon terrain de Borély et a tiré un numéro de corde correct. J'en espère un rachat ici.
Eh bien, ce numéro 8, moi, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non-partant. Attention. Ad numerotmunia, Dirtchoffel, Blasa Diane non-partant, Walchen et Feoma Andako. On passe au numéro 9, Roquemont, et on écoute Christophe Escuder. Roquemont a pu se montrer menaçant lors de ses dernières sorties. Certes, sa forme est bonne à l'entraînement, mais il faut qu'il rassure en compétition. Baissé au poids et à l'aise sur ce tracé, j'en escompte une réhabilitation, au moins pour les places. Ce numéro 9, je ne l'ai pas gardé dans mon pronostic, par contre, il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, on va lui accorder une belle note de méfiance. On passe au numéro 10, not so si, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur hein, pour ce numéro 10, l'entraîneur c'est Johan Bonnefoy, lui aussi il est abonné aux absents, hein. C'est rare qu'on va l'entendre celui-là. Alors, ce numéro 10, sachez que c'est lui le huitième de mon pronostic. Ad numero ashra, wal tiamen dieli. On passe au numéro 11, Mai Leni, et on écoute Nicolas Perret. Mai Leni est régulier sur des distances un peu plus longues et dans des catégories inférieures. Je n'ai pas d'autres courses à sa disposition, mais il est très bien et on se fait plaisir à courir ce quintet. S'il est décidé, il a le droit de finir à l'arrivée. Oui, bah, s'il est décidé, donc un peu tout ou rien, mais même sans ça, de toute façon, j'en ai fait passer d'autres avant lui, je ne l'ai pas gardé ce numéro 11. Ad numero 11, Madarchosh. On passe au numéro 12, Indian Pacific, et on écoute Patrice Cottier. Indian Pacific court de façon un peu rapprochée pour profiter de cet engagement. Sa marge de manœuvre est réduite, mais je le crois capable de se placer. Eh bien, ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu. Par contre, attention, c'est quand même le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc attention. On passe au numéro 13, Satuna, et on écoute Patrice Cottier encore. Satuna fait toutes ses courses, quelle que soit la distance ou la surface. Elle va se présenter en super forme et à cette valeur, elle demeure compétitive. La piste de Borély n'a plus de secret pour elle. Logiquement, j'en escompte une belle performance. Eh bien, ce deuxième pensionnaire de Patrice Cottier, lui, par contre, je l'ai gardé assez haut, je l'ai gardé en cinquième position. Admiro Tlatash, Adarcho Hamas. On passe au numéro 14, Benny Riar. On écoute Jérôme Régnier. Benny Kiar est un chic cheval qui nous a régulièrement fait plaisir. Il se retrouve finalement dans le quintet lundi. Il monte de catégorie, mais aborde cette course en forme et avec du moral. C'est donc tentant d'essayer. Moi, ce numéro 14, je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas gardé. Numéro 14, Madarchosh. On passe au numéro 15, Champ de Mars, et on écoute Jérôme Régnier. Champ de Mars, un numéro de corde en dehors, mais ce n'est pas trop contrariant. C'est un cheval qui s'élance vite et bien. Il devrait donc rapidement effacer son numéro de corde et occuper les avant-postes. Il a déjà bien fait dans de pareilles circonstances à ce niveau et devrait logiquement bien se défendre. Ce numéro 15, il me plaît beaucoup, je l'ai gardé très haut en troisième position. On passe au numéro 16, Optimum, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. L'entraîneur, c'est Xavier Thomas de Moltes, hein. Bon. Lui, il ne parle pas. Alors, moi, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu. Par contre, il est au milieu de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. Le pronostic, ça donne 7, 3, 15, 5, 13, 2, As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. En plus, ça aide beaucoup la chaîne. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi, ciao!